Bonjour à toutes et à tous. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu dans les réseaux sociaux. Bon, là, je vous parle de l'actualité. Ce week-end, il a fait super beau, il a fait très, très, très beau. J'étais sur Paris, il y avait du monde, les gens sont pique-niqués, c'était agréable. Les gens, ils ont bu un pot, il y avait du laisser-aller, ce qu'ils ont dit des journalistes et tout. C'est vrai qu'il a fait chaud, ils sont laissés-aller. Il y avait des gens qui étaient attroupés, il y avait de l'attroupement, il y avait de l'attroupement à Paris. Voilà quoi, moi j'étais dans un banc, comme tout le monde, je parlais avec des gens. Il faisait très beau, c'était un temps ensoleillé, c'était un temps à sortir, voir du monde. Mais dommage que tout est fermé, les cafés, tout ça, les gens en ont ras-le-bol que les cafés, tout ça soit fermé, que les musées, les théâtres, tout ça soit fermé. J'espère que le temps, tout va aller dans l'ordre et tout. On va aller dans l'ordre et franchement, c'était un bon week-end, c'était un week-end agréable. J'ai passé un week-end agréable. Espérons qu'il y aura des week-ends comme ça. Espérons que tout va aller dans. Espérons que les choses, le Covid va diminuer. Mais en fait, quand je regarde les statistiques, il risque d'avoir un confinement. Maintenant, je ne sais pas, parce que vu que les gens ils ont fait des fêtes clandestines, ils ne respectaient pas les mesures de barrière, la distanciation. Voilà quoi, c'est des jeunes qui veulent s'amuser. Moi je les comprends, moi j'étais comme eux, je me suis amusé et tout. Maintenant, je les comprends. Maintenant, il y a une pandémie qui circule et ça, ils veulent pas l'entendre. C'est plus fort que eux. Bon, bah, si vous avez aimé ma vidéo, bah, soit vous commentez, soit vous mettez un like. Je vous souhaite une excellente journée à vous et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Allez, au revoir.